protéger nos enfants, nous devons créer des alternatives, savoir occuper l'enfant. Ça ne sert à rien de limiter les temps devant les écrans si nous ne savons pas les occuper. Donc nous devons trouver des activités selon les tranches d'âge pour les occuper et qu'ils puissent avoir une vie sociale. Nous devons savoir que l'exposition prolongée aux écrans nous expose à la lumière bleue qui est présente dans plusieurs sources lumineuses naturelles, artificielles, présentes dans des écrans, okay, même dans les LED. Et cette exposition nous donne plusieurs maux. Certaines études ont montré que avec l'avènement des smartphones, des ordinateurs, il y a eu au niveau du cerveau des cancers qui se sont présentés. Et chez nous, il y a aussi des troubles de sommeil. Et troubles de sommeil, pourquoi? Parce que quand nous sommes exposés à cette lumière bleue, ça dérègle notre horloge interne. Et cette lumière va laisser l'enfant éveillé pendant longtemps. Au niveau ophtalmologique, chez nous en ophtalme, on remarque des fatigues visuelles, sécheresse oculaire. Ça favorise la survenue de la myopie, d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Nous pouvons aussi avoir, comme j'ai dit, des troubles de sommeil. On peut avoir une asthénie physique. Nous pouvons remarquer aussi des constipations, puisque quand on reste longtemps devant l'ordinateur, ça trouble les transits intestinal, et on peut aussi remarquer l'obésité puisqu'on devient sédentaire. Lorsque nous restons exposés pendant longtemps à des lumières bleues, okay, dans les écrans qui dégagent ces lumières bleues, on développe une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Avant, avec le temps, quand il n'y avait pas encore cette technologie, cette maladie, on les trouvait vraiment dans les âges très lointains. Mais avec la technologie, lorsque si on ne se protège pas de cette lumière, cette dégénérescence sera un peu plus précoce. Un enfant qui a moins de 2 ans, ne l'exposez pas aux écrans. Là, vraiment, nous les déconseillons. Et si nous arrivons entre 2 ans et 5 ans, on peut permettre une heure ou moins de 2 heures du temps. Et plus on grandit en âge, déjà entre 6 ans, 9 ans, on peut aller à 3 heures. Mais diversifié. Donc l'enfant doit aussi s'occuper à faire autre chose. Parce que quand un enfant devient dépendant, ce n'est pas très bien pour sa santé oculaire. Le parent doit être d'abord un modèle. Okay? Et quand le parent est modèle, il doit réglementer les temps passés devant les écrans. Il doit favoriser le jeu à l'extérieur. Si vous remarquez, ces temps-ci, les enfants ne jouent plus trop à l'extérieur. Or, la lumière du soleil est très importante aussi pour notre santé puisque ça améliore la vue. Alors, si l'enfant reste tout le temps resté devant les écrans, il ne pourra plus bénéficier de la lumière de l'extérieur, de la vie sociale. Et puis, il deviendra sédentaire et il va développer toutes les maladies comme nous avons cité plus haut. Sur le plan préventif, nous pouvons aussi encourager l'alimentation. Déjà, l'alimentation, quand vous diversifiez tous les aliments riches en vitamine A, vitamine C, vitamine D, nous pouvons aussi prendre tout ce qui est dans l'alimentation, c'est très important. Sur le plan préventif aussi, avoir l'habitude d'aller consulter votre optométriste ou votre ophtalmologue. Par an, vous pouvez venir même une fois ou deux fois à l'année, c'est déjà important. Pour connaître la santé de vos yeux, c'est très important. Et c'est là que si on découvrait une pathologie ou une maladie, on pourra donner une prescription qui est bien pour les yeux de l'enfant. Et sur le plan curatif, nous devons aussi avoir la culture. Si l'enfant est devenu très addictif aux écrans, associer un pédopsychiatre. Un pédopsychiatre va aider l'enfant à guérir de cette addiction. Et puis, si c'est pour le port des lunettes s'impose, on va lui donner des lunettes. Et puis, protéger, comme disons, le problème, c'est la lumière. Et la lumière bleue, on donnera des lunettes avec filtre bleu. Les parents doivent savoir que la vue, c'est la vie d'une personne. Si une personne perd sa vue, il deviendra un peu, même colérique, irritable. Vous devez prendre la vue de vos enfants au sérieux. Donc, vous devez inculquer des bonnes habitudes à l'enfant, respecter la distance de l'exposition aux écrans. Donc, comme d'autres personnes, les enfants ont tendance souvent à aller regarder la télé de plus près.
Donc, respecter la distance qui peut être entre au-delà de 70 cm. Donc, éloigner les enfants le plus loin des écrans. Et puis, ne pas donner très tôt des écrans aux enfants. Savoir encourager les enfants à aller jouer à l'extérieur. C'est quelque chose de très important pour le développement psychosocial de l'enfance. Vous devez vraiment encourager les enfants à jouer vraiment à l'extérieur, parce que si on regarde, les enfants deviennent de plus en plus solitaires puisqu'ils restent tout le temps à la maison, ils n'ont plus de vie sociale, même à la maison. Savoir limiter une heure, dire par exemple une heure avant d'aller dormir, on doit être loin des écrans pour préparer un bon sommeil. Et puis les parents doivent être vraiment disciplinés et regardants. L'enfant ne fait que reproduire ce qu'il voit chez les parents. Alors les parents, toi-même, tu dois commencer par être discipliné avec les smartphones, les ordinateurs, et l'enfant, il pourra suivre quelques exemples.